Bonjour, bonjour à tous, ses amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous, bien sûr, pour la suite de Tomb Raider Biohazard. On se retrouve sur le train, puisque Lara a réussi à rattraper le professeur Owen West la dernière fois. Et donc maintenant, tout le niveau qu'on va faire aujourd'hui va se passer sur ce train. Le niveau qui s'appelle The Locomotion, donc voyage en train, on va dire. Et donc, c'est le dernier niveau de l'histoire principale, on va dire, puisque le niveau suivant, qui est le dernier, le vrai dernier niveau, le niveau qu'on fera la semaine prochaine, c'est un petit peu un niveau bonus. Et on va devoir donc remonter ce train jusqu'à la locomotive, où le niveau va se terminer. Ça nous rappelle énormément le niveau Un train dans le désert de Tomb Raider 4, où il fallait aussi remonter un train. Donc c'est exactement la même chose. Donc, on va pouvoir récupérer nos armes, bien sûr. Et on va d'abord commencer par récupérer ici une grande trousse qui est un petit peu buggée, donc voilà. Et de l'autre côté, des torches. Torches qui sont juste là. Voilà. Parfait. Et donc je rentre dans ce premier wagon. Et il va falloir remonter les wagons jusqu'à la locomotive. Alors ici, vous pouvez sauvegarder en mode cauchemar ici, vous voyez. Ce premier wagon, c'est un petit peu le salon, le bar, vous voyez. On a des munitions à récupérer juste derrière, ici. Des munitions Walther MPL. On a également ici, regardez, un disque vinyle que je vais récupérer, voilà. Un disque vinyle qui va nous servir, bien sûr. Et derrière le bar, on a des herbes, d'abord ici. Et sur le bar, sur le comptoir, vous voyez qu'on a une clé. Alors, quelle est cette clé? Je vais vous la montrer tout de suite. La clé que j'ai récupérée, c'est la clé du wagon restaurant. Donc, on va aller dans le wagon restaurant tout de suite. C'est le wagon qui est juste après. Juste avant, je vous montre les toilettes ici. Et dans les toilettes, il y a quelque chose d'intéressant. Au-dessus, vous voyez une petite ouverture là-haut. C'est dans cette ouverture qu'on a le premier secret. Mais je ne peux pas ouvrir cette ouverture pour le moment. Il faudra l'ouvrir avec nos pistolets. Donc on reviendra ici quand on aura nos pistolets pour chercher ce secret. Ok. Je crois que j'ai rien oublié dans ce wagon. Il me semble pas. C'est quoi ce qu'on a là? Ah non, c'est juste une décoration. Ok. Passons au wagon suivant, le wagon restaurant. Que je peux ouvrir avec ma clé, bien sûr. Voilà, le wagon restaurant. Avec ici pas grand chose à récupérer, si ce n'est, regardez, sous le petit meuble là, on a des munitions magnum, donc il suffit de tirer le meuble. Alors l'image bouge tout le temps, c'est un peu pénible. C'est parce qu'on est sur le train, bien sûr. On récupère ces munitions magnum. Rien d'autre à voir dans le wagon restaurant. Ici, je vous montre une porte qui emmène dans la cuisine. Sauf que cette porte est fermée, je peux pas l'ouvrir depuis là. Vous voyez. Lara ne veut pas, donc il faudra trouver un autre moyen d'entrer dans cette cuisine. On sort d'ici et on va passer dans le wagon lit. C'est celui-là. Le wagon avec toutes les couchettes. Et dans chacune de ces couchettes, on va récupérer des objets. D'abord ici, on a dans cette couchette des munitions magnum, encore une fois. C'est assez difficile de faire naviguer Lara dans ces petits espaces. La caméra n'aide pas non plus. Et dans cette deuxième couchette, regardez, un gramophone. Ça tombe bien, on a récupéré un disque vinyle. Donc voilà, c'est ici qu'on utilise le disque. Et vous allez sûrement reconnaître la musique qui va être jouée. La sonate au clair de lune, qui est jouée au piano par Jill ou Chris, selon le personnage que vous choisissez, dans Resident Evil 1. Il joue cette musique au piano et ça débloque un passage secret. Et bien là, c'est la même chose. Passage secret dans l'autre cabine, l'autre couchette.
Et voilà. Et ça fait bizarre d'entendre ce morceau dans Tomb Raider. Et dans cette cachette, on récupère une autre clé, c'est la clé du wagon-lit, justement. Voilà. La clé du wagon-lit, on est dans le wagon-lit, mais cette clé nous permet de ressortir, bien sûr. Y a rien d'autre à récupérer dans cette couchette, non, je crois pas. Cabine. Dans les toilettes, par contre, on a des munitions de Walther MPL. Et ici, on a la serrure où on peut utiliser cette clé. Vous voyez, ces petits clins d'œil à Resident Evil sont vraiment très très bien, je trouve. Ils auraient pu en faire un peu plus, même. Mais c'était sympa. Alors, on sort du wagon-lit. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce wagon, vous pouvez passer... en faisant un petit chemin, vous pouvez passer par-dessus ce wagon vers l'autre wagon qui est un peu plus loin. Et le wagon qui est un peu plus loin est fermé par une porte qui ne peut pas s'ouvrir avec une clé. Il va falloir ouvrir cette porte avec un pied de biche. Et comment on récupère le pied de biche? Eh bien, on récupère le pied de biche dans la cuisine, qui était fermée aussi. Mais regardez, si je vais de ce côté, on a une petite ouverture dans la barrière qui est là, vous voyez. Je peux descendre et m'accrocher ici. Et juste à côté, on a une échelle qui me permet de grimper sur le toit. Et on va rentrer dans la cuisine par le toit. Voilà, donc là on est sur le toit du wagon-lit. On va aller vers le toit du wagon-restaurant qui est juste après là. Et on a une trappe, juste là. Qui nous fait rentrer dans la cuisine. Voilà, donc voici la porte qui était fermée, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. On peut l'ouvrir avec ce bouton. Et dans la cuisine, donc, on récupère le pied de biche qui est là. Et on récupère également des herbes, juste là. Parfait. Je peux toujours pas aller chercher le premier secret, donc on va revenir où on était, dans le wagon-lit. Et on va pouvoir passer au wagon d'après. En faisant un saut un peu complexe ici. Il faut bien se mettre vraiment au milieu, voilà, là au milieu ici. Hop, et faire un saut avec élan. Voilà, alors là je vais sauvegarder parce qu'il y a des fois j'arrive pas à le faire ce saut. Je vais sauvegarder en haut. Faire un truc comme ça, hop, voilà, ok c'est bon. Je pensais que c'était compliqué mais je vais y arriver, ça devrait aller. Donc on continue à avancer ici, vous voyez, vous vous déplacez le long du wagon ici, jusqu'à sortir juste là. C'est exactement ce qu'on avait fait dans le niveau Un train dans le désert de Tomb Raider 4. Ici vous sautez là, et vous descendez par là. Donc voici cette porte qui peut s'ouvrir avec un pied de biche. On l'ouvre, et on va arriver dans un wagon de provisions. Un wagon de provisions intéressant pour nous, puisque, regardez de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Les pistolets. Les petits pistolets à munitions illimitées, bien sûr. Ici, je peux tirer dans cette caisse. Pour récupérer une petite trousse, enfin une grande trousse, pardon. Il n'y a pas de petite trousse ici. Voilà, on ressort et je vous montre ce qu'il va falloir faire pour la suite. Regardez, il va falloir ouvrir la grille qui est en bas là, vous voyez. Et ça s'ouvre avec une carte d'accès bleue qu'il va falloir récupérer sur un des ennemis. Et justement, on va aller trouver cet ennemi tout de suite. Donc là, je grimpe par ici. Redescends par là. Hop. Et on saute jusque là. Vu qu'on a les pistolets, donc je vais rechercher le premier secret. Il faut qu'on le récupère maintenant. Donc on reparcourt tous les wagons. Le wagon lit, le wagon restaurant. Et on retourne dans les toilettes qui sont là. Et là donc, je peux tirer en hauteur. Et aller chercher ce secret. C'est le livre des morts. Voilà.
ressortir. Oh là là là. C'est toujours pénible ces petits espaces. Hein. Voilà, c'est bon. On continue. Donc là, on retourne chercher donc où se trouve cette fameuse clé bleue. Et la clé bleue se trouve sur un ennemi qui est sur le toit. Donc on va remonter sur le toit avec l'échelle que j'ai empruntée juste avant. Et on va essayer de tuer cet homme. Voilà, donc je repasse par ici. On remprunte l'échelle. Et on va aller tuer cet homme. Alors il est derrière la trappe qui est là. Donc, je vais ressauter sur ce wagon, passer à côté de la trappe et le voilà. Voilà. Oui, c'est très long de les tuer avec le pistolet classique, hein, mais on va récupérer le reste de nos armes un peu plus tard. Voici la carte d'accès bleue qui nous intéresse. Et maintenant, on va aller l'utiliser où il faut. Bon, je vais repasser par la trappe. Repasser par la cuisine. On retourne. Donc là, c'est un petit peu pénible ce début de niveau parce que vous êtes obligé d'avancer, de revenir en arrière, de réavancer, de revenir en arrière. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça. On va refaire ce saut. On se met bien au milieu et on se recule au maximum. Voilà. On passe sur le côté. Et on va pouvoir continuer vers la suite, vers les autres wagons. Et se rapprocher un peu plus de la locomotive. Hop, on grimpe au-dessus, on descend par là, et on va placer la carte d'accès bleu ici. La grille s'ouvre et on peut enfin continuer. Alors là, c'est assez pénible, donc je vais sauvegarder. Il y a un ennemi vraiment chiant là. Donc on va sortir les pistolets. Sauf qu'il faut que j'avance d'abord, ça sera mieux. Il faut d'abord que j'avance et ensuite que... Je vais avancer par là. Je crois qu'il est bloqué, voilà. Il est bloqué dans un coin. Je crois que je lui tire dessus, oui. On va attendre qu'il meure, voilà. Donc là, vous voyez, dans ce coin-là, les ennemis sont un petit peu buggés. Donc soit il se met à courir dans le mur, soit il se met à tirer sur vous, mais à cause de la caisse, il tire pas sur vous et vous lui tirez dessus. Donc il y a des petits moments... Il faut jouer avec les bugs du jeu, en fait. C'est ça qui est cool. Alors lui, je sais pas s'il nous laisse des trucs. Non, il nous laisse rien, très bien. On éclaire un peu ici. On a une caisse, vous avez vu, la caisse qui est en face là, peut être cassée, et on récupère le fusil, voilà notre shotgun, on l'a récupéré, c'est parfait, et on va continuer par ici. Alors cette caisse là peut être détruite aussi, il me semble, c'est ça, la caisse qui est là ne peut pas être détruite, mais elle peut être tirée. Puisque derrière, on a le deuxième secret. Voilà, si vous allez vers cette caisse, regardez cette caisse, vous voyez, elle est un petit peu... elle est un petit peu cassée, vous voyez, la porte est un petit peu cassée. On peut utiliser notre pied de biche pour l'ouvrir. Et on a le deuxième secret ici, et le magnum. Voilà, on a récupéré le fusil et le magnum, ce qui est très très bien. On va utiliser le magnum d'ailleurs pour tuer les ennemis. Il faut que j'aille là-bas aussi. Alors attendez, je vais y aller tout de suite. Est-ce que j'y vais tout de suite ou pas?
À mon avis, je suis obligé. Oui, voilà, parce que la suite est ici, vous voyez, mais la porte ne peut pas être ouverte manuellement. La porte s'ouvre en allant là au-dessus. À gauche. Où on a un bouton. Ah oui, là. Hop, cassez ça et vous avez le bouton qui ouvre la porte. Voilà, parfait. On redescend et on sort de cette petite salle. J'espère que j'ai trouvé tout ce qu'il y avait à trouver. Il me semble que oui. Je refais un petit tour vite fait. Ok, là il y a des ennemis. On va les tuer au magnum. Je crois que j'ai tout récupéré. Ah, attendez, il y a un truc là. Non, il y a rien. Ok. Bon, j'ai tout vu. On va ici et je vais tuer les hommes au magnum. Deux coups de magnum et ça suffit, vous voyez, c'est très pratique. On en a aussi en hauteur, sur le toit là. Voilà, c'est bon. Et un autre en face. Voilà, j'ai tué tout le monde, parfait. On a des objets à récupérer sur ce wagon, des hommes qui nous laissent des munitions. Alors il y a d'autres hommes qui arrivent, regardez. Ah merde. Un coup de trop, c'est pas grave. Je récupère vite ce qu'il nous laisse. Des munitions Walther MPL, des munitions de fusil aussi sur lui, voilà. Et il y a une grande trousse cachée dans le coin, juste là. Voilà. Beaucoup d'objets à récupérer, vous voyez, mais c'est parce qu'il y a un combat de boss à la fin, c'est pour ça. Ah, quelqu'un qui est passé? Non, personne qui est passé, très bien. On peut continuer d'avancer vers le wagon laboratoire. Juste ici. Et là, on a des ennemis aussi. Ok, alors voici le wagon laboratoire où on a pas mal d'objets à récupérer pour passer vers la suite. Alors il me semble que la suite c'est la locomotive. Il nous faut une carte d'accès verte, vous voyez. Et la carte d'accès verte pour continuer se trouve parmi les zombies qui sont là, vous voyez, sous le squelette. On a une carte d'accès verte et les zombies qui sont là vont nous faire chier bien sûr. Pour le moment ils sont en cage, donc ils nous dérangent pas. Mais ça va pas être... ça va pas rester comme ça tout le temps. Ici, des munitions de fusil. Il y a pas mal de choses à récupérer ici, je crois. Donc, des munitions de fusil ici. Des torches ici. Dans le placard qui est là, on a aussi quelque chose. Alors, pour ouvrir le placard, il faut se mettre sur la ligne jaune, vous voyez, au sol. Si vous êtes trop près, ça, elle ouvre pas. Et là, on récupère une clé de sécurité, je crois. Comme ça qu'ils y appellent. Oui, carte de sécurité, voilà. Une carte de sécurité qui va nous permettre de désactiver les lasers qui sont là, au sol, oui. Alors, le mec qui est là, il nous a pas laissé un truc? Ah si, voilà. Munitions Walther MPL. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je crois que de ce côté, j'ai tout vu. Ouais. Par contre, de l'autre côté, il y avait des choses. Lui, il nous laisse des herbes. Et de l'autre côté, on a les Walther MPL, justement. Et des munitions juste à côté. Voilà. J'ai tout récupéré, c'est parfait. La carte de sécurité qu'on a récupérée s'utilise ici pour désactiver les rayons laser. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de désactiver les rayons laser. Rassurez-vous, les zombies vont pas sortir. Voilà, c'est juste ça désactive les rayons. Ça permet en fait de déplacer le bloc qui est là de l'autre côté du labo. Et on va faire ça tout de suite. Je saute au-dessus, je passe de l'autre côté. Vous voyez qu'ici on a un bouton à gauche. Juste là, vous voyez, on a un bouton à gauche. Et ce bloc va nous permettre d'accéder à un autre bouton qui est en hauteur. Donc je pousse ce bloc à l'endroit où on en a besoin. Et après, il va y avoir une séquence chronométrée. Qu'on adore. Surtout moi. Le niveau est pas si long que ça, mais quand même.
quand même pas mal de choses à faire. Hop, non, j'aille là. Vous en faites pas, et si vous voyez les mains des zombies sortir un petit peu de la cage, c'est pas grave, ils peuvent pas vous attraper, hein, sur les... C'est juste un petit souci, un petit bug. Voilà, je pousse encore une fois le bloc et c'est bon. Voilà, vous voyez, le bouton est en hauteur là-haut, donc on pourra l'actionner. Alors maintenant, bah, il est temps d'actionner ces fameux boutons et de voir ce qu'ils font. Alors, je vais sauvegarder parce que c'est un passage chronométré ici, donc c'est assez pénible. Alors ce bouton va matérialiser une plateforme à l'extérieur du wagon. Vous allez voir ça. Pour le moment, c'est pas chronométré. Hein. Regardez. Vous voyez à gauche là? Ici, on a une plateforme normale et la plateforme qui est en face est chronométrée. Je vais attendre qu'elle revienne, voilà. Donc le but va être de sauter sur la plateforme qui se baisse et qui se lève avec un certain timing. Il va sauter sur cette plateforme, appuyer sur un bouton qui va matérialiser une plateforme de l'autre côté du wagon, c'est-à-dire du côté droit. Voilà, je vais y aller maintenant. On saute et on s'accroche, un saut très complexe encore, hein. Faut bien prendre de l'élan. On appuie sur le bouton. Et là on se recule et on fait un saut comme ça. Voilà, vous voyez? Il faut faire un saut comme ça, comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire quand vous avez appuyé sur le bouton, vous reculez vers la droite et vous faites un saut vers la gauche, comme ça. Parce que vous n'avez pas le temps de reculer, de bien vous mettre, comme j'ai fait sur cette plateforme-là. Vous n'avez pas le temps de faire ça sur la plateforme derrière. Donc il faut vraiment sauter vers la droite, comme ça, et faire un saut vers la droite aussi, pour arriver jusque-là. C'est très complexe, et c'est pas fini. Là, le bouton que j'ai actionné a matérialisé la plateforme de droite ici, vous voyez. Et le bouton qui est à l'intérieur, au-dessus du bloc, va matérialiser la plateforme chronométrée. Ok. Et cette plateforme chronométrée, le chronomètre se déclenche à partir du moment où vous appuyez sur ce bouton. Ok. Donc il faut vite courir à la deuxième plateforme, qui va nous permettre de rentrer vers les zombies. Pour récupérer la clé d'accès verte, bien sûr. Alors on appuie sur ce bouton, on va sauter... Et vite se dépêcher, on va sprinter pour aller de ce côté. Et on va enchaîner les sauts. Donc là, il faut sauter d'abord ici, comme ça. Et de enchaîner le saut directement jusqu'à la deuxième plateforme. Et vite rentrer en cassant la vitre. Et prendre le fusil pour tuer les zombies. Ok, parfait. Alors, non seulement je les ai tués avec très peu de balles, mais en plus... Je me suis pas fait empoisonner. Donc là, je vais faire très attention de ne pas marcher sur leur cadavre. Ouais. Donc, je vais tirer le squelette. Et je pense que non. À mon avis, en animation comme ça, je peux pas me faire empoisonner. Ah ! On récupère la carte d'accès verte pour pouvoir sortir de ce wagon labo. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... aller ici. Et actionner le levier qui est en hauteur, vous voyez ? Le levier qui est... Ah, on ne voit pas, c'est très bien. Enfin, vous allez le voir, le levier qui est au-dessus, là. Sauf que je peux pas trop me reculer parce qu'il y a un zombie derrière. Ah, à moins que je puisse depuis là. Ok, c'est bon. Ce levier remet en place la plateforme sur laquelle on a sauté, juste là. Donc maintenant, on peut ressortir. Je fais bien attention. Voilà, la plateforme va pas disparaître, hein, rassurez-vous. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter sur le côté vers l'échelle. Voilà, on se met comme ça. On se recule bien. Je crois que c'est bon. On saute et on s'accroche... ici. J'ai très peur. Ok, c'est bon. J'ai eu très très peur. Un saut très complexe, encore une fois. Faut bien sauter, pas en face de l'échelle, en face du bord gauche. Et ça marche. Et là, on arrive ici. Avec des petits objets encore. Une grande trousse. Des munitions Walther MPL, des cartouches de fusil.
Encore une fois, on nous donne beaucoup de missions, vous voyez. Et lui, est-ce qu'il nous donne quelque chose, lui? Il nous donne rien, ok. Très bien. Donc là, vous voyez, je ne peux pas continuer vers la locomotive, puisque si j'essaye de passer par là, regardez, on a des barbelés tout le long ici. Donc je ne peux pas sauter vers la locomotive qui est juste devant. Donc il va falloir contourner ces barbelés en utilisant la carte d'accès que je viens de récupérer, bien sûr. Donc là, je redescends. Je peux redescendre par là-bas? Je pense que oui. Je peux redescendre par là, en fait. Yes. Je re-rentre dans le wagon labo, et maintenant qu'on a la... Maintenant qu'on a la carte d'accès verte, on peut sortir par ici. Parfait. On s'approche de la fin, rassurez-vous. Cette partie dans le wagon labo, là, est très compliquée. Ici, il faut que je saute et que je m'accroche comme ça. C'est pas ça que je voulais faire. Faut d'abord aller dans le truc. Hop, voilà. Ok, c'est bon. Ici, vous pouvez sauvegarder et vous pouvez récupérer des petits objets supplémentaires. Encore des munitions Walther MPL, une grande trousse et... des munitions de fusil. Puisqu'il est temps d'affronter le boss. Vous pouvez sauvegarder ici en mode cauchemar, voilà. Et donc, pour aller vers le boss, il faut grimper sur le toit. De là, là. Voilà. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire comme ça, en grimpant à cette échelle. Et le boss, notre ami Owen, donc vous voyez là, on est juste derrière les barbelés qui sont là. Et notre ami Owen West nous attend juste là. Ça va être chaud. Vu que c'est un combat de boss, je vais faire une dernière sauvegarde ici. Voilà, donc on va aller vers le professeur West et l'affronter. Arrêtez-vous ici. Trop tard, Miss Croft. C'est la fin pour vous. Pas si je récupère cette boîte. Je ne pense pas. West, écoutez. Vous ne savez pas ce à quoi vous avez affaire. J'ai vu que mes hommes n'ont pas réussi à vous attraper. Et si j'essayais ça? Stop! Et voilà, il ouvre la boîte et il va se transformer en tyran. Le boss final de Resident Evil 1. Oh mon dieu. Vous allez voir que le combat va se passer exactement comme dans Resident Evil 1. Et on va le tuer avec les Walther MPL. C'est très efficace. Puis ça me permet de bien bouger. Ok, c'est bon. On l'a mis à terre, et regardez ce qui se passe. Un hélicoptère qui nous dit « Utilisez ça !» Et il nous balance un lance-roquette. Exactement comme dans Resident Evil 1. Donc là, je vais utiliser les soins, pas forcément à cause du poison, mais pour éviter que l'image soit distordue, c'est un peu chiant. Voilà. Donc voici... le fameux lance-roquette. Dans Resident Evil 1, c'est la même chose. Vous combattez le tyran à la fin du jeu, et au bout d'un moment, en hélicoptère, vous balance un lance-roquette. Et c'est comme ça que vous le finissez. On va faire pareil. Ouais. Est-ce que je peux aller chercher le dernier secret après? Empoisonné. Ah, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Oh putain de merde.
Oh la vache. Je sais pas où je suis. Alors je suis tombé en dessous, mais je suis pas tombé par terre. Bah très bien, je vais pouvoir remonter. Il me reste combien de munitions? 3. Ok. Bon, il est bientôt mort. Hein. Voilà, si jamais vous tombez par ici, vous voyez, vous pouvez arriver dans l'ouverture qui est en dessous. Ce qui fait que vous mourrez pas, c'est ça qui est bien. Est-ce qu'il est mort? Je crois qu'il est mort, non? Ah merde, il est pas mort. Là, il est mort. Et la boîte sacrée apparaît. Alors juste avant, on va aller chercher le dernier secret quand même. Qui est tout au bout de la locomotive. Ici. Allez, juste là, oui. Faut pas tomber là, faut faire très attention. Ok, c'est bon. Voilà le dernier secret. L'eau bénite. On a les trois secrets, hein. Oui, 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 c'est sûr, les trois secrets. Ok, et eh bien voilà, je récupère la boîte sacrée et on s'arrête. Ouais, les Winter MPL, ils nous ont donné beaucoup de munitions jusqu'à maintenant, donc c'est très efficace sur lui, je trouve. Récupérons la boîte. Et la porte se rouvre dans à l'endroit où on est arrivé, donc je crois que c'est de ce côté. Ah, c'est tout au bout. Voilà, donc on va pouvoir descendre et terminer ce niveau. En utilisant... où est-ce que c'est en fait? C'est pas du tout là en fait. Hein. Ça devait être là je crois. Voilà, c'est là. On va dans la locomotive, on stoppe la locomotive et ça sera bon. Et on a tué le professeur Owen West, transformé en tyran, grâce au lance-roquettes. Exactement comme dans Resident Evil 1, vous voyez, c'est très sympa ce qu'ils ont fait avec ce dernier combat. Voilà, j'actionne ce levier et on s'arrête. On dirait que c'est ici que je m'arrête. Eh bien, il était temps que vous arriviez. Alpha Team, c'est l'équipe Alpha qui arrive. Est-ce que je peux vous emprunter votre hélicoptère? Ne vous en faites pas, on va vous escorter jusqu'à votre maison. Parfait. Et bien voilà, c'est la fin de ce dernier niveau, The Locomotion. Lara a réussi à arrêter le professeur Owen West, elle a récupéré la boîte, et l'équipe Alpha va la raccompagner jusqu'au manoir. Et justement, le niveau suivant va se passer dans le manoir, c'est un petit niveau bonus en quelque sorte, pour terminer cette aventure. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes, commentaires, à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier niveau, les trois derniers secrets, dans Resident Evil Biohazard. Donc là, vous voyez en fait le temps, la distance, les munitions, les soins utilisés, tout ce que vous voyez là, c'est au total depuis le début du jeu en fait. Voilà. Donc on a mis 7 heures pour faire tout ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier niveau. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en avez pensé de ce niveau en commentaire. Moi j'ai trouvé qu'il était très sympa. Et on se retrouve donc pour un petit niveau bonus la prochaine fois sur Tomb Raider Biohazard. A la semaine prochaine, merci à tous et ciao ciao.